Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 19 février 2023, il est 17h31. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de découverte. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour être tout à fait honnête, l'algorithme YouTube m'a proposé des vidéos, hop, tac, m'a proposé en fait une vidéo sur un logiciel qui s'appelle Motion Canvas. Alors je ne connaissais pas, j'ai découvert ça, je me suis dit tiens, ça peut être sympa de vous faire découvrir ça et notamment de voir qu'est-ce que ça a dans le ventre, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça fait. Mais voilà, donc j'ai découvert ça, hop, on va changer de scène, plouf, transition. Voilà, donc c'est fait sur la chaîne d'Artifact, de Artificial, pardon, mais avec deux A et avec un H, enfin voilà. Et en fait, donc de ce que j'ai compris, c'est une chaîne où on a et hop, on va peut-être pas mélanger les sources. Enfin, y a pas besoin d'avoir l'audio de toute façon. Hop, on va couper. Mais donc en fait, c'est une chaîne de devlog. C'est-à-dire, en fait, c'est un développeur qui fait de la démo sur l'avancement de son jeu, qui est alors plus ou moins sympathique, et voilà, qui notamment en fait avait besoin de faire des petites animations. Et donc en fait ce qu'il raconte c'est qu'au début il le faisait sur After Effects, et en fait il s'est dit tiens, pourquoi ne pas faire mon propre logiciel pour faire des animations, ça marchera mieux, je pourrais mettre du code, je pourrais utiliser en fait ce que je sais, et donc il a montré ça, il en a parlé, et ainsi de suite, et il a fini de... tac, voilà, il a fini par en faire un logiciel libre, et on va le découvrir ensemble, voilà, je pense que ça peut être sympathique. Alors, visualize complex idea programmatically. Visualiser des idées complexes de façon programmatique. Meilleur des deux mondes. Donc, certaines choses sont plus faciles avec une souris. Écrire des animations en TypeScript avec votre IDE préférée. Utiliser un web-based editor, donc un éditeur basé sur le web, pour le synchroniser avec l'audio. Propulsé par VIT, Real-Time Preview of Your Application Automatic Updates Upon Any Change, un pré-rendu en temps réel, un aperçu en temps réel de votre animation qui se met à jour automatiquement, quels que soient vos changements. Donc, alors, il a fait une vidéo de quelques minutes là, mais en gros, c'est. Voilà, on a à la fois du code ici. Et à la fois un IDE qui permet de changer les choses. On va faire le quick start. Ah oui, voilà, donc là on a par exemple hop, une balle là qui se fait qui va aller de avant en arrière. Et si je. Donc là en fait je peux choisir. Je peux déplacer là où je rentre, je peux choisir à quel frame je veux être, je peux faire des petits trucs comme ça, donc ça a l'air rigolo. Voilà, donc on peut écrire du code, hein, parce que c'est ça l'intérêt, hein. On écrit du code pour définir l'animation. Et en fait, le truc est robuste, hein, puisqu'il l'utilise pour faire ses propres... ses propres vidéos. Il y a 7,8, donc c'est un logiciel libre, donc le code est disponible sur GitHub. Il y a 7800 étoiles dessus, donc c'est pas de la gnognotte. Donc on va se laisser porter tout simplement par le
par le tutoriel, et puis comme ça, je pense que ça va nous permettre de découvrir le bousin. Tac. Alors, on va faire le Get Started. Alors, dans ce guide, nous allons créer une simple animation utilisant Motion Canvas. Un petit peu. Voilà. Prérequis. Êtes-vous sûr que vous ayez Node 16 ou plus grand installé sur machine? Ça, il n'y a aucun problème avec. Alors, on va démarrer un nouveau projet. Donc, enfin, je n'ai pas VS Code, j'ai VS Codium. Normalement, ça devrait nous suffire. Je vais juste l'ouvrir. Tac. Dans un nouveau dossier. Motion Canvas. Sélectionner le dossier. Hop. Voilà. Donc là, on est au terminal. Et on installe Motion Canvas. Oui, on est d'accord pour les installer. Alors, project name, on va l'appeler première animation. Projet paf, le dossier projet animation. On va le faire en TypeScript. Et on me dit que je peux faire ces commandes-là. Oui, je veux coller. Tac. Je veux coller. Donc là, il est en train de s'installer. On va retourner sur le tuto simplement. Et puis, on va regarder ce que ça propose. Donc voilà, donc on y installe. Et pour démarrer l'éditeur, faire npm run serve. L'éditeur sera accessible sur localhost 9000. On l'utilise pour preview, pour avoir un aperçu de l'animation. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir. Hop, on le lance. Ok, voilà. Donc, je l'ai ouvert deux fois, bien sûr. Il se lance, voilà. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir. Là, si je fais start, il n'y a absolument rien à 25 images par seconde. Donc, c'est bien. Voilà, je peux réduire la durée de l'animation. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, ça tourne en boucle. C'est pas très intéressant. Bon. Au moins, l'éditeur. Alors, scaffolding command a créé différents fichiers pour vous. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur le fichier src scene example. Qui est là où est-ce qu'on peut ajouter nos animations. On va l'ouvrir et on va remplacer tout le code avec le code suivant. Okay, bon, faisons ça. Alors effectivement, src scene example. Hop. Là, pour l'instant, on l'a copié, on l'a sauvegardé. Et là, si je vais voir, il s'est rafraîchi, effectivement. Puis là, on a une boule voilà, qui va de gauche à droite et qui change de couleur du rouge au jaune. Alors, sauvegarder votre fichier, voilà. Alors, vous pouvez voir. Alors, gray circle. Voilà, et oui, donc il bouge bien, bon, ça, il n'y a pas de souci. Alors, dépendant de la taille de votre navigateur, vous avez peut-être besoin de zoomer pour voir le machin. En vrai, non, voilà, pour l'instant, ça va. Hein. Allez, parce qu'on est à 70%. Ok, 100%, enfin, rester à 100%. Pour l'instant, on est bon. Alors, explication. Chaque vidéo dans Motion Canva est représentée par une instance de la classe projet. Dans notre exemple, le projet est déclaré dans src project.ts. Donc là, effectivement, ce qu'il va faire, c'est que on fait un projet. Dans la scène, on met example. Okay, et on dit fond blanc. Voilà.
Ça, jusque-là. Okay. Quand on crée un projet, nous avons besoin de lui donner un tableau des scènes à afficher. Dans ce cas, nous allons utiliser une seule scène qui est importée depuis CRC Example. Scène Example. Une scène est un set d'éléments affichés sur l'écran et l'animation et une animation qui les gouverne. La scène la plus basique ressemble à ce truc-là, donc Make Scene 2D fonctionne, machin. Donc Make Scene 2D prend une fonction générateur et tourne et la transforme dans une scène où est-ce qu'on est capable d'importer dans notre fichier de projet. Donc cette fonction décrit le plan de l'animation qui va où est-ce qu'on a une vue qui est donnée en argument et qu'on va utiliser pour ajouter nos éléments à la scène. Alors, on peut en apprendre plus sur les scènes, les nœuds et à la XML-like syntaxe plus tard dans Scene Hierarchy Section. Pour l'instant, ce qui est important dans notre exemple, c'est qu'on va rajouter un individuel circle, donc un cercle individuel dans notre cercle. On va le faire rouge et on va définir sa taille à 240 pixels et sa position à 300 pixels à droite à partir du centre. Donc, c'est ce qui a été fait. Hop. Donc, je suppose que si j'enlève tout ça. Hop, non. Donc là, c'est je crée une référence à Circle, donc qui est un cercle, visiblement. Et de là, je vais donc le placer à 240. Alors, avec une taille de 240-240. Et à une coordonnée de moins 300 avec une couleur. Donc effectivement, on a ça. Puis on n'a rien d'autre puisqu'il n'y a rien d'autre à voir. 0 FPS puisqu'il n'y a rien. Donc là, ça crée un cercle. Pour animer le cercle, nous avons besoin d'avoir une référence pour lui, d'attacher une référence en lui. C'est le but de CreateRef. Ok. Nous l'avons utilisé pour créer une référence et passer en utilisant l'attribut ref. Okay. Donc, on a accès au cercle et on peut l'animer comme ça. Okay. Hop. Okay. On l'anime comme ça. Et effectivement, là, il s'anime. Il s'anime que dalle parce que je pense que. Voilà, hop. Je pense que ça a été mal formaté. Je pense que là, ce sera mieux. Pas du tout. Voilà, c'est mieux. Tac. Ok, donc là, on arrive à faire un cercle, on a l'idée. On a l'idée, donc c'est un peu confusant, mais voilà. Donc, chaque propriété du nœud peut être lue et mise à jour tout au long de l'animation. Par exemple, dans le cercle, nous avons défini une couleur de remplissage à E13, 23, 8. Hein? En utilisant notre référence, on peut recevoir la valeur de la couleur de fil. Et on peut lui donner une valeur en lui disant MyCircle fil haute couleur. Donc là, normalement, je pense que c'est ce qu'on voit, effectivement. Là, on lui dit, je prends la référence à mon cercle, qui est là. Je le remplis avec la couleur E6 machin, donc il doit être l'orangé qu'on a vu. Okay. Alors, ça va immédiatement mettre à jour la couleur de notre cercle. Si on veut avoir une transition, on aimerait bien, on peut passer la durée de la transition en seconde argument. Donc là, on lui dit, fil, donc tu vas me changer la couleur de E machin à 1. Donc cela crée twin animation. On verra ça plus tard. Ici. Qui fait changer la couleur de façon smooth.
Doucement, gentiment. Les animations. Animations dans Motion Canva ne se jouent pas par elles-mêmes. Nous avons besoin de leur dire. C'est pour cela que les scènes sont déclarées. C'est pour cela que les scènes sont déclarées en utilisant les fonctions générateurs. Elles servent de description sur comment animer, comment l'animation doit se jouer. En utilisant le mot-clé Hild, donc en fait en utilisant le mot-clé Hild sur différentes instructions, on peut lui dire que on peut en fait décrire l'animation de différentes façons. Par exemple, pour jouer, pour Place the Twin, donc la transition que nous avons créée, nous pouvons faire Hild étoile, My Circle, donc la référence au cercle, et Hild machin. Donc ça va poser le générateur, jouer l'animation qu'on lui a demandé, puis il va continuer. Pour jouer une autre animation, après la première, nous pouvons simplement écrire un autre Hild étoile, statement. Ok, donc là, si je fais ça, donc là, hop, on va commenter ça. Pouf. Hop. Donc là, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Donc là, hop, je me mets à 0. Donc là, j'ai ma scène. Elle change en jaune, puis elle repasse en rouge. Ok. Jusque-là, on est bon. Alors, mais puisque nous animons la même propriété, nous pouvons écrire ça d'une façon plus compacte. Avec la mot-clé tout. Okay. Bon, bah, mettons le mot-clé tout, effectivement. Là, on va faire tout. Puis là, ça se met à bien marcher. Et normalement, on va faire exactement la même chose qu'avant. Effectivement, pas de changement sous le cocotier. Dans notre exemple, à côté d'avoir changé la couleur, nous mettons également le cercle en mouvement. Nous pouvons faire ça. De la même façon que animer la couleur. Donc là, effectivement, donc position x 300 pour une durée d'une seconde à moins 300 sur une durée de moins une seconde. Ça marche. Alors, si on essaye ça, donc on nous dit ça marche, mais l'animation commence une fois qu'on a fait le changement de couleur. Testons. Testons son efficacité. Hop. Effectivement, ça change la couleur et puis après ça se barre. Ça fait un aller-retour, ça change la couleur et puis après ça fait son aller-retour. Donc, pour que ça n'arrive pas, on peut utiliser le all. Le all prend une ou plusieurs animations et les merge ensemble, les fusionne ensemble. Maintenant, ils arrivent au même moment. The Animation Flow, donc il y a une autre section qui nous apprend à. D'autres fonctions de génération comme le haut. Revenons à notre exemple initial. Okay, donc, hop. Donc pour l'instant, on a un cercle. Très bien. Donc on arrive à avoir un cercle. Avec très peu de code. Hein, parce que ce qui est bien, donc c'est on a écrit un cercle, on l'a ajouté à la vue, on lui a donné une référence, et après on lui a dit, bon bah ta couleur, elle va changer. En une seconde, tu vas la passer du E13 au E6A. Puis la seconde d'après, tu la repasses à E13 et ta position, tu la passes de moins 300 en une seconde à 300, puis à moins 300 en une seconde. Ce qui fait que là, on a une animation qui boucle, voilà, sur 2 secondes. Ce qui, ma foi, n'est pas si. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Hein. Tac, hop, on peut le mettre comme ça. Tac, ça boucle en 2 secondes. Animation Flow. Motion Canva utilise donc la fonction génération pour décrire son animation. Cette fonction, c'est une fonction qui peut renvoyer plusieurs valeurs. En fait, c'est une fonction avec des yields. Quand on trouve le yield, alors le yield, si vous ne savez pas ce que c'est, ça sert par exemple quand on a une fonction itérateur. Et que vous voulez la mettre par exemple dans une boucle. Bon, vous voulez faire for each la valeur de ma fonction. Plutôt que de faire un for each sur un tableau, vous pouvez faire un for each sur la fonction et dans la fonction, vous mettez les yields. Et comme ça, donc premier tour de boucle,
Il va commencer cette votre fonction et il va regarder le premier yield. Il va renvoyer la valeur que vous avez mise au premier yield. Et au deuxième tour de boucle, il va rappeler votre même fonction qui va repartir de là où est-ce qu'elle était. Et il va continuer jusqu'au ultimant, et ainsi de suite, jusqu'au rectangle final. Voilà. Ou que la fonction s'arrête. Voilà. Ça sert à ça. Et je pense que c'est à peu près ce qu'il dit, oui. Voilà. Et puis, avec les générateurs, on peut mettre à jour des trucs pendant deux heals, en fait, et attendre un petit peu jusqu'à la fonction. Donc, c'est là l'idée fondamentale de Motion Canva. Yield dit l'image courante est prête, affiche-la sur l'image, sur l'écran et reviens me voir plus tard. Voilà. Avec ça dans votre esprit, nous pouvons faire un cercle en fait, qui change de couleur en utilisant le code suivant. Voilà, hop. Donc, toute logique, prenons le code et regardons ce qu'il fait. Donc, on crée un cercle, okay, donc d'une taille de 100-100. On lui donne une référence. Le cercle, on lui dit, bah, tu vas te mettre en rouge, il. Tu vas te mettre en bleu, il. Tu vas te mettre en rouge, il. Si j'exécute ça, donc là, bah, du coup, mon animation n'a pas beaucoup de frames. Donc là, il est en rouge, il est en bleu, il est en rouge. Fin de la vie. Pas besoin de le dire. Nous pouvons être extrêmement. Alors, cumbersome. Cumbersome, je sais pas. Translate, cumbersome. Ah oui, nous pouvons être chargés extrêmement lourd quand nous écrivons toutes les applications comme vous. Heureusement, JavaScript a une autre façon d'utiliser avec des générateurs, le yield étoile. Ça nous autorise à déléguer le yielding à un autre générateur. Par exemple, nous pouvons extraire le code de l'exemple précédent pour un générateur séparé et le déléguer à une fonction qui va faire la même chose. D'accord, donc ça sert à ça le yield étoile. Je vous avoue que je ne connaissais pas le yield étoile, mais donc là, si j'ai bien compris, je fais yield étoile qui est là. Et là, je fais flicker et je vais donner mon circle. Et alors là, ça n'a pas du tout marché. Parce qu'il faut un circle. Parce que c'est une fonction. Ok. Donc, voilà. Donc c'est la fonction yield. Je fais un flicker. Et là, il se plaint parce que je ne peux pas assigner le type no à ce truc-là. Très bien. Flicker de circle, bah oui. Ah, après, il connaît peut-être pas le fonction étoile. Hein. Là, ça refait exactement la même chose. Ok. Bon. C'est souligné en rouge, mais pas trop cet arbre. Alors, le résultat de l'animation est strictement le même, mais maintenant nous avons une fonction réutilisable que nous pouvons utiliser quand on a besoin de faire ce clip-là. Motion Canva fournit un ensemble de useful générateurs comme cela. Donc on se rappelle hein, dans Quick Start qu'il y avait le fil qui permet d'animer la couleur de machin. Comme vous l'avez deviné, le résultat de ce truc-là est un générateur, est un autre générateur qui fait le redirect à notre scène. Donc ça s'appelle des twins. Alors, on va voir ce que ça veut dire twins. Une interpolation, d'accord. Ils sont appelés des interpolateurs parce que ils animent entre deux valeurs.
Une autre façon des générateurs, c'est les flow générateurs. Donc, ils prennent un ou plusieurs générateurs en entrée et ils les combinent ensemble. Nous avons mentionné le hall. Et donc, il y a le hall, mais il y en a d'autres. Donc, il y en a any. Donc, le hall, il va tous les faire en même temps. Et il va attendre, il va attendre que ce soit fini. Le any, il va tous les lancer et il va attendre que le premier se termine. Donc ça peut être sympa si on veut, par exemple, j'imagine, si on veut en lancer plusieurs. Et alors, il y a un exemple. Voilà. Et ne pas attendre que le premier est fini pour continuer. Donc, typiquement là, si je fais tac. Il est mis. Par exemple, lui. Et en fait, je fais circle, circle. On va importer le i. Hein, et là, ça ne marche pas. Très bien. Parce que là, j'ai fait un any. Non, parce que ça va être circle, non? Non, non, un circle, c'est bien un circle. Et prends l'exemple du début. Parce que donc il y avait ça. Et puis là, si je reprends le même exemple qui est là. Tac. Voilà, donc là on fait any, on importe any, okay. Et là on va dire myCircle, je le file avec une couleur et je règle son opacité. Donc là si on teste, tac, au moins lui c'est quand même assez... assez machin. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Parce qu'il va attendre que... bah ouais, mais... Comment ça ne fait rien? Il va attendre que le premier des deux se termine. Ah oui, bah oui, non, mais opacité à 0, par exemple. Et je vais le mettre en... ça, par exemple. Tac. Puis là, opacité à 0. Ok. Ok, donc ça fait ça. Salut, salut Arthur. Hop, je suis en train de découvrir Motion Canvas, qui est un logiciel qui permet de faire des animations en 3D. On a le chêne qui permet de générer. Qui permet de faire des actions les unes après les autres. Donc le chêne, si je tente. Donc ça revient un petit peu à faire ce qu'on avait au début, hein, c'est-à-dire avoir les trucs. Parce que par défaut, en fait, on a les trucs les uns après les autres. Là, il a changé de couleur et puis là, il disparaît. En fait, je suis en train de me rendre compte que ça, pas forcément la meilleure des couleurs pour voir. Tac. Donc là, il passe en vert et puis il disparaît. Alors que si je fais le ENI. Hop. Ah, il disparaît en passant en vert. Ok, on est bon. Ah. Donc oui, bah, ça peut s'écrire avec le lit d'étoiles, machin. Alors, la raison pour laquelle chaîne existe, c'est parce qu'il est plus facile de le passer pour les autres flow functions. Effectivement, on peut faire ça. Le delay, pour bah, patienter, en fait, tout simplement. Je retarde mon animation. Je peux faire un wait for 1. Et ça existe, pareil, parce que c'est plus facile à faire ça. La séquence, il démarre toutes les tâches, les unes après les autres, avec un délai constant entre les machins. Donc là par exemple je peux faire 0 1 et je peux animer, d'accord, je peux animer genre plein de rectangles
de machin, et la loupe qui permet de faire des loupes. Effectivement, là, on peut changer des couleurs. Ok, bon. La scène hiérarchie. Okay. Donc les scènes sont des collections de nœuds qui sont affichées dans votre animation. Ils s'organisent selon une hiérarchie d'arbres avec la scène view à son top. Sa racine. Le concept est similaire au document objet modèle que représente, qui sont représentés dans le HTML et dans les documents XML. Par exemple, donc si on a un circle et un layout qui contient un rectangle et un texte, ça se traduit sous forme de cet arbre. Chaque nœud est une instance. Donc chaque nœud est une instance d'une classe qui étend, donc qui hérite en fait de la classe Node pour rendre le code plus lisible. Motion Canva utilise un custom JSX runtime. Ainsi, au lieu de instancier des nœuds par nous-mêmes, nous pouvons écrire le XML line makeup. À noter que Motion Canva n'utilise pas React par lui-même, il utilise seulement JSX. Il n'y a pas de virtuel DOM, de DOM virtuel ou de réconciliation, et les tags JSX sont manipulés directement le nœud instance. Les deux machins sont équivalents. Donc on peut écrire soit new circle, new layout de children, de new React et new text, ou faire ça. Tout comme le DOM, il est possible de ajouter, supprimer ou de réarranger les nœuds à n'importe quel moment. Le nœud contient les enfants, les parents, mais dans l'ordre de modifier ça, il est recommandé d'utiliser les méthodes. Alors, je vois qu'il y a un add, un insert, un remove, un reparent pour changer le parent, un move up pour le déplacer à travers les frères et sœurs. Move down, to top, to the bottom, move to, si on veut le mettre n'importe où, je suppose. Move above, move below et remove children. Bon, on ne va pas tous les faire. Le positioning. Ah, là, ça commence à être machin. Et donc là, en fait, ce qui est sympa, c'est que là, ce qu'on voit, ces animations. Alors, on voit déjà que je commence à être sombre, parce que malheureusement, il y a quelque chose qu'on appelle la nuit, le soleil qui décroît et donc qui m'oblige à allumer la lumière. Mais en plus, voilà. Mais en plus, j'enlève mon petit gilet parce que, hop, comme il est 18h, le radiateur s'est allumé. Mais, et là, c'est la cerise sur le gâteau. En plus de tout ça, les animations qu'on voit actuellement, donc juste ici, 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 voilà, et ben, ils ont été faits avec le logiciel. Voilà. Et donc là, si je regarde le source code, je vois ce que ça a été fait. Donc on voit qu'il y a une grille, la grille qui est derrière. On voit qu'il y a un cercle qui doit être celui-là. On voit qu'il y a deux lignes. Et non, alors on a un cercle qui a un start angle et un angle. Donc on a ce cercle bleu-là et on a ce cercle bleu machin. Et ensuite, on le groupe. Ah oui, le groupe, c'est une référence au node, ok. Ah oui, et donc en fait, là, on a fait toute la scène, et en fait, on bouge tout en même temps. Ah, c'est malin, ça. Ah, c'est cool, ça. En fait, je peux faire une scène, et puis je lui dis, allez, 12 blocs. Ah, ça, c'est sympa. Alors, Motion Canvas utilise un système de coordonnées cartésiennes. Il est localisé au centre de la scène, avec l'axe X qui va vers la droite et l'axe Y. Alors, je vais vers la droite, hein, parce que ça c'est ma main droite, sauf que c'est l'effet miroir. Donc, qui va vers la droite, et le Y qui va vers le bas. Voilà. Donc, tous les nœuds peuvent être positionnés, sont positionnés relativement à leurs parents.
Ça signifie que toute transformation appliquée aux parents est également appliquée à leurs enfants. La transformation de chaque nœud consiste sur avec les trucs suivants. Donc en fait, sur un nœud, je peux choper la position, l'échelle. Là, on voit que. Ah ouais, j'avais pas vu, il y a du zoom et du zéro. Waouh! Ouh, je pense que j'ai bien aimé. Et la rotation, on peut le tourner. Hein. Et là, je pense que voilà, on voit la position, la rotation, le scale. Donc pour changer la taille. Là, on refait de la position pour le redépasser dans le sens. Et après, on lui dit, tu changes la taille et tu tournes mes éléments. Ah, c'est trop bien. Absolute transform. Chacune de ces transformations, de ces propriétés de transformation basique, a une méthode d'helper dédiée qui intervient dans le monde ouvert, dans l'espace du monde en fait. Ça peut être utile par exemple, où est-ce qu'on veut faire coïncider les transformations de deux nœuds localisés sur différents parents. Considérez l'exemple suivant. Bah, tiens, on peut considérer plus que ça. Ouais, on appelle l'exemple. Alors hop, on va considérer en faisant copier-coller. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a cercle A, cercle B. Hop, on va tac, importer le node. Donc là, on a un node avec un cercle qui est A, on a un cercle qui est B, et on dit au B, ta position absolue va être la position absolue de A. Donc ils n'ont pas le même parent, mais comme je leur ai dit, vous utilisez la position absolue, ben en fait, ils sont là. Alors, je pense qu'on ne les voit pas parce que il y avoir A. Ouais, il y a. Attends. Pourquoi il n'a pas la bonne couleur? Ah, voilà. Non, parce que c'était l'ancienne animation. Mais voilà. Donc là, on a deux points. Ils ne sont pas liés. Ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Mais on peut faire des trucs. Alors, info. Nous avons noté que si nous avons toujours besoin de CT l'absolue position de. Alors, notez qu'on a besoin de set l'absolue position du cercle B et pas seulement sa position. Ça peut sembler redondant puisque cercle B est un enfant direct de la scène, mais le local space, donc l'espace local de la scène, n'est pas le même que l'espace de l'espace du monde en fait. Donc on a absolute position, absolute scale et absolute rotation. Ok. Des matrices. Oh. Pour les utilisateurs avancés, les nœuds exposent toutes les matrices nécessaires pour faire transiter pour en fait ouais pour faire des vecteurs pour passer d'un monde d'un espace à un autre. Par exemple, le helper properties décrit en dessous peut être réimplémenté en utilisant the world to parent and local to world matrice. Donc en fait prendre l'absolue position, ça revient à faire vecteur 2.0 point transform as point machin et on peut aussi faire ça. Alors on va pas s'éterniser sur ça parce que c'est pour les utilisateurs avancés mais ça nous intéresse pas trop. Les layouts. Oh, elles sont quand même classe hein, les animations. Et donc tout ça c'est juste du code. Donc là si je vais regarder. Donc là, il y a un rectangle, il y a trois rectangles, il y a un cercle qui est là. Donc là, on a notre layout. Pouf. Avec un rectangle
de colonne, alors qui s'appelle colonne A, qui contient un layout direction colonne et qui en a trois, qui contient un rectangle, qui contient un cercle et qui contient un autre rectangle. Et derrière le rectangle, on a notre layout. Alors comment ça se traduit? En fait, on a layout. C'est ça, hein. On a layout. Donc le layout qui va par de base de la gauche vers la droite. On a premier rectangle, un deuxième layout qui est vertical avec rectangle 1 et rectangle 2, et un troisième et le troisième rectangle. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, hop. Je peux directement prendre tout le code en fait, hein. Tac, tac. Hop. Donc là, si je relis le code, donc on lui dit la colonne B, alors grow, je pense que ça veut dire grandir. Donc la colonne B, c'est le layout, donc le dernier rectangle. On va lui dire, donc il a une taille de 3. On va lui dire, tu vas prendre une taille de 1 en 0,8, en 0,8 secondes. Et la colonne A va prendre une taille de 2 en 0,8 secondes. Donc si on regarde, donc lui on lui a dit tu rétrécis et lui on lui dit tu grandis. Alors effectivement, c'est ce qui se passe. Il a grandi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on lui dit au rectangle A, là, donc notre rectangle coloré, tu avais un gros de 8, tu vas avoir un gros de 1. Donc là il y avait 8, là il y avait 1. Et puis là, hop, il rétrécit, il n'a plus que 1. Non, l'autre il avait 2. Non, c'est ça. En fait, lui il avait 8, l'autre il avait 2. Donc celui d'en haut prenait 4 fois plus de place que celui d'en bas. Et maintenant, on a dit à celui d'en haut, non, bah, maintenant tu fais plus que 1. Et donc du coup, celui d'en bas fait 2 fois plus en hauteur que celui d'en haut. Ok. Ensuite, on lui dit, je vais montrer ça mieux, colonne B, donc troisième colonne, on t'avait mis à 1, donc tu vas repasser à 3, et colonne 1, tu vas repasser à 1. Ah, en fait, et après, on fait l'animation en fait dans l'autre sens. Comme ça nous permet de boucler. Et donc là, hop, donc là, ça repasse comme ça. Et notre rectangle, il serait agrandi. Et donc là, de ce que je vois, ce qui est très très bien, c'est que du coup, comment dire, tout en fait s'adapte par rapport à tout. Et ce qui est vachement pratique quand on fait des animations. Voilà. Layout vous permet d'arranger les nœuds comme si vous utilisiez Flexbox. Tout nœud étendant le layout devient une part du layout. Ceci inclut, mais n'est pas restreint à rect, circle et image. Layout route. Donc c'est inclus. On peut faire ce qu'on veut. On peut s'amuser comme on veut. Et puis on peut l'animer comme on veut. Ok. Alors je vais passer un peu vite. Quand même, on va bien mettre la main dans le code. Les nœuds n'étendent pas les layouts. Les nœuds ne sont pas affectés par les layouts et sont traités comme si c'était des nouvelles choses. Ce qui vous permet en fait, ce qui permet d'appliquer les filtres et les transformations au layout sans affecter la hiérarchie. Donc là, si on voit. Alors, hop, qu'est-ce qu'on fait là? Donc on a layout, on a nœud, et en fait, quand on dit opacité de 0,1 à 1, sur le groupe, en fait, j'ai impacté ça. Mais, d'accord, en fait, le nœud permet de faire des groupes
mais ne sont pas comptés comme des éléments physiques du néant. Donc ça, c'est cool, ça permet de faire des dons. Des groupes. Les signaux. Un signal représente une valeur qui peut changer à travers le temps. Il peut être utilisé pour définir des dépendances entre les états d'une animation. Ainsi, quand une valeur change, les autres valeurs qui dépendent de cette valeur sont automatiquement mises à jour. Je pense que ça va être important et on va lire cette section. Donc, les signaux pour des types primitifs sont créés en utilisant la fonction createSignal, où le premier argument spécifie la valeur par défaut. Donc là, typiquement, on crée un signal avec 0. Additionnellement, chaque type complexe a un static createSignal method qui peut être utilisé pour créer un signal comme machin. Donc là, par exemple, si on prend les vecteurs qu'on a vu tout à l'heure pour les utilisateurs avancés, on peut lui dire createSignal qui va prendre comme valeur par défaut vecteur 2.1. Donc les propriétés de chaque nœud sont également représentées par des signaux. Circle.field, c'est un signal, simplement. Une fois créé, les signaux peuvent être invoqués pour réaliser une des actions possibles. Donc recevoir la valeur, en juste appelant signal, mettre à jour la valeur, ou créer une interpolation de la valeur. Donc là, je peux faire signal de 2, 0, 3, et puis ça permet de faire varier les trucs. Alors, à l'instar de la valeur actuelle, un signal peut être fourni avec une fonction qui va calculer sa valeur dynamiquement. Considérons l'exemple suivant. Donc j'ai un radius où je crée un signal de 1. J'ai une aire où je crée un signal qui va être pi fois radius, donc c'est l'air d'un cercle, hein, vous avez compris, parce que c'est pi r carré. Si j'affiche son r au début, il vaut 1. Si je fais radius de 2, donc je change la valeur de ce truc-là, il va avoir donc 12,5 machin. Explication. Donc pour mieux comprendre comment un signal fonctionne, modifions cet exemple. Modifions l'exemple précédent pour voir comment c'est affecté. Donc, si je fais create signal et que area, en fait, on rajoute juste un log. Si je fais area machin truc, il n'était pas calculé avant, on va le calculer à ce moment-là. Si je le rappelle, ça ne change rien. Si je change radius, rien ne se passe. Si je fais area là, on a détecté qu'il y a un changement de radius, donc on recalcule l'air. Si on fait radius 3 ou radius 4, voilà, on s'en fout. Et quand on refait R, là c'est recalculé. D'accord. Donc ça permet de démontrer trois aspects importants des signaux. Le laziness. C'est-à-dire que les signaux ne sont. Donc la flemmardise, hein. On peut traduire comme ça. Les signaux ne sont seulement calculés que quand c'est requis. Le premier area recalculate message est affiché dans la console uniquement une fois que area est appelé. Le caching, donc la mise en cache. Une fois que le signal est calculé, sa valeur est sauvée et retournée durant les appels de area. C'est pourquoi rien n'est logué dans la console durant le second appel. Cet aspect des signaux permet de les rendre parfaitement utiles pour mettre en cache des informations quand on a des calculs complexes. Dans les faits, Motion Signal utilise des signaux en interne pour cacher des trucs comme des matrices. Okay. Et il y a des dependency tracking, un signal, donc le signal area, garde trace des autres signaux auxquels il dépend. Donc quand on change le signal radius, le signal area est notifié, mais il ne va pas faire le recalcul immédiatement, puisque on a toujours la flemmardise qui joue. Nous pouvons modifier le radius,
un nombre combien de fois on veut, mais l'erreur ne sera recalculée seulement une fois quand on va réappeler la fonction arrière. Default value. Donc les signaux gardent trace de leur valeur par défaut. À n'importe quel moment, nous pouvons mettre à zéro un signal à sa valeur initiale en passant le default symbole. Ok, ça peut servir. Et on peut utiliser le default symbole pour faire de l'interpolation. Donc, faire ça, c'est spécialement utile pour les node properties. Dans cet exemple, nous allons changer le line 8 du texte à 150%. Celui-ci va override la valeur par défaut, qui va être simplement héritée par son parent. Donc là, typiquement, on fait un texte, line 8 à 150%. Okay. Et si on veut le resetter, bah en fait, on l'appelle juste avec default. Et puis, c'est fini. Donc là, on a un complexe exemple. Donc un exemple complexe. On peut utiliser ce fait que les propriétés des nœuds sont représentées par des signaux en construisant des scènes qui seront automatiquement mises à jour quand la data change. Donc, suivant le précédent exemple, on va créer une visualisation d'une aire du cercle. Donc là, je vois que le radius passe de 3 à 4, ici. L'aire change automatiquement. Ok, et donc tout est lié, et puis voilà. Et voici le code qui a été utilisé pour faire cette animation. Nous avons mis en avant toutes les places où les signaux, enfin toutes les lignes en fait, où les signaux sont utilisés. Donc là, on a radius area, donc on crée ce qu'on a vu en dessous, au-dessus. On crée le cercle en lui disant que sa taille, c'est radius fois scale, alors scale, l'échelle fois 2. Pareil pour la hauteur. Pour les lignes, nous avons dit que. Alors les lignes. Ah oui, les lignes, c'est ça. Ok. Nous disons que. Oui, en fait, c'est la petite ligne en pointillé. On dit que la ligne passe par 0, 0, 0, le centre, et le right. Donc à droite, avec une échelle de radius fois scale machin, donc ça fait de 3 à 4. Okay. Pour le texte, on l'a mis à x radius scale slash 2, comme ça il suit. Il suit toujours en fait le centre du trait, ouais, on le voit bien là. Et pareil pour le texte avec l'air qui passe en dessous, mais on le fait en y. Voilà, et donc quand on l'anime, on passe du radius à 4 en 2 secondes, à 3 en 2 secondes, et puis après on attend une seconde. Et puis ça recommence encore et encore. Ok. Je pense qu'on est déjà pas mal. Alors, il y avait quand même un dernier truc que je voulais voir. Parce que là, en fait, on peut faire des animations en boucle. Les références, ça va pas nous intéresser. Les twins, non. Les time events. On va juste regarder les time events parce que je pense que c'est une notion importante et après on va commencer à jouer avec l'outil. Donc, un des pain points, des points de douleur, des points de crispation de créer des animations machin, en utilisant du code, c'est de les synchroniser avec de l'audio. Imaginez que vous avez. Que vous aimeriez démarrer une certaine animation après avoir dit, enfin après que vous ayez un certain son prononcé ou un mot prononcé. Avec un code only, vous devez hardcoder les valeurs depuis que vous attendez. Donc ça ferait animation 1, j'attends machin, animation. Évidemment, cette approche, bon, c'est pas trop lourd. Non seulement parce que vous avez besoin de savoir le timestamp précis pour savoir il faut attendre, mais chaque fois que vous modifiez votre voix,
vous avez besoin de retourner dans votre code et d'ajuster ces nombres à recoder. C'est pourquoi Motion Canvas vous autorise à modifier ces délais, pas dans le code, mais directement dans l'éditeur. Avec l'utilisation de Wait Until, vous pouvez mettre en pause l'animation sans spécifier l'actuelle durée. Donc on fait Wait Event, Wait for an Event, Call Event. Cela provoque l'apparition de l'event dans l'éditeur. De là, vous pouvez le drag, enfin le déplacer pour ajuster son temps, son timing en fait. La traînée derrière, la queue sombre derrière, cherchez le mot, illustre sa durée. Il commence au moment Wait Until est appelé. Donc c'est là où l'animation va être en pause. Et puis il reprend quand on atteint le petit curseur là. Voilà. Par défaut, ajuster un time event va également ajuster tous les événements qui se passent après. C'est très utile si vous voulez étendre ou raccourcir une pause dans votre voix, enfin dans votre narration, parce que vous voulez corriger le first time event, enfin le temps, et puis en fait vous décalez en fait tout ce qui est après. Vous pouvez maintenir la touche majuscule pour que ça n'arrive pas. Voilà. Et les time events peuvent également être utilisés pour le temps auquel vous voulez que ça dure. Vous pouvez utiliser le use duration function pour récupérer la durée d'un événement et l'utiliser dans votre animation. Ok. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on a eu beaucoup d'informations, on a fait des bousins et on va faire du schmilblick. On va faire une petite animation. Voilà. Alors, parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup regardé les tutos. Maintenant, c'est à nous de galérer. Tac. On efface tout ça. Pouf. Alors, on va faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme animation? On va faire une animation assez simple. Commençons simple. On va faire une animation où est-ce qu'on va avoir un rectangle qui va se déplacer d'abord de la gauche à droite. C'est l'occasion de voir si on a bien compris ce qu'on nous a appris. Donc rect. Tac. Alors la taille, on va la mettre 100. 100. La position, on va pas la bouger. Et on va faire on va faire comme ça par exemple. Voilà. Ensuite, on va faire let rectangle create ref. Et là, on va faire ref est égal à rectangle. Okay. Et maintenant, je vais faire id étoile. Donc, de notre rectangle. Je vais te dire. Ah oui, alors je ne vais pas donner de couleur. On s'en fout. Donc position X. Tu vas aller en position. Donc on est en 0,0. Tu vas aller en 200 en une seconde. Et alors. Ah oui, parce que je pense que là, il faut dire. Voilà. Donc là, tu vas aller en position 200 en une seconde. Un rond dans un carré qui bouge en diagonale, c'est simple ou pas? On va pouvoir faire ça après ça, Arthur. Mais en vrai, ça devrait pouvoir le faire. Alors, si je teste,
J'ai absolument rien qui s'affiche. Pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai pas donné de couleur à mon rectangle. On va lui dire, bah tu vas faire, hop. Non, tu vas pas être en noir, tu vas être en tout blanc. Voilà, donc là, j'ai mon carré qui bouge pas. qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas parce que potentiellement... ouais, ça, pourquoi il ne bouge pas? Ah, peut-être parce qu'il faut un yield normal. Non, 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 il faut bien un yield machin. Il n'y a pas de gestion. Alors, on va te dire que là, toi, tu es en 0. 0. Voilà. Voilà. Parce que je n'avais pas donné de position. Donc là, j'ai mon carré qui bouge. C'est pas mal. Ensuite, on va lui dire, bon, bah, reviens. Hein, reviens. Et donc là, si je regarde, hop, c'est bon. Donc là, j'ai le début d'un carré qui fait des allers-retours comme un idiot. Donc là, j'ai bien compris qu'en fait, on pouvait utiliser default. Tac. Ce qui me permet ici de mettre, par exemple, moins 200. Tac. Et de ne pas être embêté sur l'aller-retour. Ah oui, bon, en fait, on peut faire const x rectangle create signal, par exemple. On va tester ça. 200. Hop. Là, si je vais faire hop x rectangle. Ok, là il ne bouge pas parce que en fait je peux faire x rectangle. En fait j'ai même plus besoin de faire ça normalement si j'ai bien compris. Je vais faire un yield étoile de x rectangle et je vais le mettre à moins 200 pardon, en une seconde. Voilà, et puis après. Tac, je vais le retourner à default en une seconde aussi. Donc là, si j'ai bien compris le tuto, voilà. Hop. Là, il fait un aller-retour qui s'amuse. Donc alors, Arthur, tu nous proposes donc de faire un rond dans un carré qui bouge en diagonale. Testons son efficacité. Alors, on va faire le carré un peu plus grand, je pense. Voilà. Et on va pas le filer, on va le stroke. Voilà. Alors, on va regarder quand même. Component. Code block. Non, hiérarchie, non. C'est moi, je peux le choper là. Mais API peut-être. Voilà. Tout player, pas du tout. Media, non, ça c'est audio. Utils. Pas de recherche? Il y a une recherche, incroyable. Rect, hop, un rectangle. Alors, tac, 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 bottom, machin, méthode. Type. Attendez, hop, rectangle, il est là. Rectangle, implément type. Ok. Je vais lui donner une taille, je vais lui donner machin. Normalement, ce truc, c'est pour la... Ah, et si c'était border, en fait, tout simplement. Non, il n'y a pas de border. Non, normalement, c'est stroke. Alors, si
Si je reprends cette animation-là, qui a l'air bien cool. Non, c'était layout, je crois. Voilà. Eux, comment ils font? Rectangle, gros, radius. Donc, il y avait un stroke. Et une line width. C'est. Tac. Là, si je regarde normalement. Voilà. Donc, là, j'ai mon carré. Il bouge tout le temps. Il bouge classique. Donc maintenant, je vais mettre un cercle dans ce carré. Déjà, on va fermer le carré. Donc là, je vais mettre circle. On va mettre une taille de 100, par exemple. Voilà. Et on va lui mettre un fil. On va le mettre blue, par exemple. Et on va le mettre, on va le faire partir du centre du carré. Voilà. Hop. Ah, j'ai pas à mettre le document. Prêtir. Oh, le prêtir, il marche. Tac. Donc là maintenant, voilà, j'ai mon cercle qui tourne avec le carré. Bon. Maintenant, je vais créer une référence au cercle. Je vais l'appeler petit cercle, petit disque, voilà, qui est un circle. Voilà, donc là, je vais lui dire, hey, toi, ta ref, c'est là. Voilà, et donc, pendant que ce carré-là, il bouge, on va lui dire en même temps. Tac. On va lui dire en même temps la position. Tac. On va créer deux signaux. On va mettre X disque et Y disque. Voilà. Qu'on va mettre en 0, 0. Tac. Hop, donc là je vais mettre X disque, là je vais mettre Y disque. Okay. Alors je suis en full improvisation, mais normalement ça devrait marcher. Et donc là, ah oui, alors là il faut que j'importe le hall. Ah, il trouve pas le hall. Import hall from. Motion Canva Core Lib Utils. Il n'y a pas de hall. D'où il vient le hall? Vous plaît. Le hall, il vient de LibFlow. Ok. Ok, donc là on a le hall. Et donc là on va lui dire bah, X disque. Tu vas passer en. Donc il fait 500, on va lui dire en 500 en une seconde. Et Y disque en 500 en une seconde. Ok, alors je suis en train de me dire que en fait lui on peut le faire partir de moins 500, moins 500, comme ça on le fait partir en haut à gauche, normalement, si je dis pas de bêtises. Et hop. Donc ici, je fais passer à default, default et default. Donc là, si j'ai tout compris, normalement ça marche. Ok, nous avons l'idée. pourquoi? Pourtant, sa taille, c'est de 500. Mais wouh! Bah pourtant le cercle est dans le. Bon, il va en diagonale, hein, ça c'est indéniable. Sauf que il va. il va beaucoup trop loin de monsieur. Oui, mais non, mais suis-je bête? Suis-je bête? Parce qu'en fait.
X-disc. En fait, c'est la. On va faire ça. Const taille rectangle. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, c'est la taille divisée par 2. Hop, create signal. Hop, ça divisé par 2. Ça divisé par 2. Ça et ça. Voilà. J'aime bien déjà l'idée. En plus, il va dans le sens inverse du carré. Alors, c'est pas forcément voulu, mais effectivement. Pourquoi? Ah oui, mais non, je suis bête. Là, ah, c'est bon. Enfin, c'est taille rectangle divisé par 2 et taille rectangle divisé par 2. Et sauf que ça, c'est moins 1 fois taille rectangle. Parce qu'en fait, si je le veux faire partir d'en haut à droite du rectangle, d'en haut à gauche du rectangle. Voilà. Eh, eh. C'est pas beau ça? Quelques lignes de code. Bim. Voilà. Alors après, on va peut-être vouloir me dire. Bon, c'est joli, mais en fait, moi, je m'attendrais à ce qu'il reste dans le carré. On va dire, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc là, en fait, je pense qu'on va introduire un nouveau truc qui va être taille cercle. Donc là, il est 200. Ici et ici. Et en fait, là, en fait, c'est pas taille rectangle divisé par 2. C'est taille rectangle moins. Enfin, c'est moins 1 fois tout le bousin, là. Moins taille cercle et le tout divisé par 2. Voilà. Et puis ici, pareil. C'est ce truc-là divisé par 2. Et alors là, normalement. Eh! Là, il reste dans le carré. Eh, c'est classe ou c'est pas classe? Que quelques lignes de code, hein! C'est voilà. Et puis après. Et en fait, là, on a l'impression que le cercle, il bouge pas. Mais en fait, il bouge. Parce que là, si je lui dis le rectangle, là, au lieu d'aller à 200, on va le faire chercher plus loin, genre à 400. Et que on le fait bouger plus. Parce que là, on fait bouger à moins 200. Et genre, on fait bouger vénère, quoi. De 400 à moins 200. Et que le Y rectangle, on fait de moins 300. Voilà. Donc là, je vais lui donner mon signal Y rectangle. Et ici, hop, je vais lui dire Y rectangle, tu vas à 400 en une seconde, pareil. Ça, tout est synchronisé. Puis après, on va tester la désynchro. La default. Non, pas def. Default. Tac. Et voilà, hop. Là, ça bouge. Tac. Ah, et j'ai changé deux paramètres. Puis là, on a bien le cercle là, qui est coincé dans le bousin. Alors, faut peut-être machin, mais voilà, on a fait une première animation là, c'est un cercle qui bouge. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer, moi qui suis un petit peu flemmard, que typiquement la transition, hop, cette transition là que vous voyez maintenant, cette transition là, on peut imaginer la refaire dans l'outil. Puis comme ça, moi, j'ai du code qui est transitionné. Puis voilà. Alors, on va tester quand même les time event. Parce que du coup, si j'ai bien compris, là par exemple, là je vais faire yield, wait until retour. Tac. Là. Donc là, j'ai un retour qui est apparu. Donc là, si je fais rien, ça attend. Mais là, si par exemple le retour, je fais, bah non, mais en fait, tu vas te mettre là. Tac. Là. Alors, attends.
Non, parce que c'est un white étoile. Pardon. Pardon, j'ai oublié. Tac, voilà. Puis là, hop, si je remets, si je reviens au début. Donc là, hop, il attend, et puis il revient. Et donc là, l'avantage de ce truc, c'est que je peux bouger ici. Tac, voilà. Si je veux attendre moins ici, ou si je veux attendre plus, il attend plus. Eh, c'est vraiment, on sent que le mec, il a développé, il en avait besoin pour ses bousins. Hein. C'est. Et typiquement, là, je pense que ouais, je peux ouvrir un. Je peux rajouter en code en disant vas-y, tu m'ouvres le fichier audio bidule. Et puis, comme ça, il est synchronisé. Hein. C'est. Tout ça dans un navigateur. Hein. C'est. Hop. Et donc, maintenant que j'ai fini, hop, je peux lui dire. Bah, tu me l'affiches en 30 images par seconde. Alors voilà, il n'y a pas beaucoup d'options, mais c'est utile. En x1, on va lui demander du WebP. Et on va le render. Donc là, il va calculer frame par frame. Je crois qu'il a fini. Et alors là, si je reviens dans mon code, normalement, output, pouf, il m'a créé le truc image par image. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre ça dans un logiciel ou faire tourner une routine. Alors peut-être que d'ailleurs, rendering. Donc pour rendre, vous faites machin. Vous pouvez régler le framerate, et puis il n'y aura pas de problème, le scale, le color space, le file type. Donc pour l'instant c'est PNG machin. Le WebM ne peut pas être machin. Et en fait, ça va rendre machin. Et voilà. After rendering, donc une fois que vous avez fait le rendu, vous pouvez importer les images, les images, la séquence d'images rendues dans un éditeur vidéo de votre choix, ou convertir les images directement dans une vidéo en utilisant un outil tel que FFmpeg. Et on peut prendre des screenshots. Puis voilà. Mais en vrai, c'est bien bien cool, hein. C'est franchement faire une petite animation comme ça là en trois coups de cuillère à peau là avec deux commandes et demie là c'est voilà donc bon on sent que alors là si je clique alors, hop, là si je clique sur exemple il me met directement sur le fichier dans mon IDE ça c'est très très cool et si je clique sur un nœud. Voilà, là je vois toutes les propriétés du nœud, je peux le voir image par image. Donc on voit en fait toutes les interpolations qui ont été calculées. Le shadow color, il y a même du shadow color pour copier la valeur. Alors, donc tout est forcément en lecture seule puisque c'est généré par du code. Mais voilà, on a des informations, le margin, le padding. Le font de famille, si on veut mettre du texte dedans. Voilà. Bah écoutez, c'est bien bien cool. Et donc le monsieur, il s'appelle Motion Canvas YouTube. Tac. Voilà. Donc le monsieur s'appelle. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo que j'ai vue. Artificial. Je sais pas comment ça se dit. Mais voilà, donc en fait il explique ce qu'il a fait et en fait ça lui permet de faire des trucs comme ça. Par exemple là il a un color picker et donc il a créé un objet color picker, il met une référence picker et donc il fait un heal. Bon là il explique le bousin, mais en fait il a fait un truc complexe. Et en fait, on peut imaginer que directement, hop, quand il y a le truc,
quand il y a un changement de couleur, en fait, que ça change directement cette zone-là, parce que c'est un color picker en fait. Puis il doit pouvoir lui dire, là je veux du rouge à machin, et puis ça va faire toute la transition de couleur et afficher, parce qu'en fait, au final, c'est que du web. Et en fait, il va générer image par image. Un truc qu'on n'a pas vu, mais qui explique, c'est que là, par exemple, on a deux scènes. Tac, si on regarde là, bah là j'ai ma scène exemple. Mais si je prends par exemple. Hop, alors je vais faire un truc crado, hein, mais genre. Faisons exemple 2. Voilà, et dans exemple 2, mon rectangle, il n'y a plus que 300, et puis mon cercle, il n'a plus que 50. Voilà. Comme j'ai tout mis dans des variables, ça ne pose pas de problème. Tac, voilà, donc là j'ai mon exemple 2. Il y a un exemple méta, mais ça je pense que c'est des trucs généraux à la volée. Et là, ici, dans mon projet, je lui dis, bah en fait, j'ai une autre scène qui est exemple 2. Alors, vite, ouais, je pense que on va faire copier-coller de celui-là plutôt. Exemple 2, voilà. Voilà, donc là j'ai exemple 2. Donc là, il refait un rendu. Recharger, voilà. Pas content. Voilà. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que j'ai mon premier exemple. Et là, ma deuxième scène, qui est là. Et donc là, par défaut, je crois qu'il dit que c'est un cut. Et on peut lui dire transition. Voilà. Donc là, on a première scène, deuxième scène. Et en fait, on peut lui dire on a des transitions toutes faites. Et donc là, typiquement, j'ai ma première scène et j'ai ma seconde scène. Tac. Hop. Puis là, il fait un petit effet sympathique. Alors. Ah, donc les animations, c'est tout à la fin, ok. Et là, hop, je vais le mettre là. Alors, je vais importer ce qu'il faut, hein, bien sûr. Ah, il veut plus. Ah, ça, ok. Non, alors. Importe slide transition. Comme ça. Hein. Transition. From. Alors, on va y aller au pif. Ça nous a bien réussi la dernière fois. Il n'y a pas de raison que ça ne nous réussisse pas maintenant. Core. Lib. Transition. Et. Bim. Marché. Et le wait for. Wait for. Hein? Et donc là, si je fais la transition, donc là, on a notre première animation qui est là. Toujours pareil. Pouf. Voilà. Et puis là, hop. Et on passe à la deuxième. Alors, bon. Pas mis bonne durée, mais vous avez l'idée, quoi. Et voilà, et en fait, on peut faire des transitions comme ça et faire en fait son petit film d'animation tranquillou. Mais écoutez, moi je suis plutôt satisfait de cette découverte. C'est peut-être quelque chose que j'utiliserai à l'avenir. Que j'utiliserai à l'avenir. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est les composants. Non mais regardez, regardez, regardez-moi ça! Il anime du code! Le monsieur anime du code! Il anime du code et c'est classe en plus. Pardon, pardon. Ah, c'est un code bloc. Il a fait un composant code bloc. Oh! Incroyable. Incroyable. Oui, bah oui, bah oui. Mais forcément, forcément, il fait des animations sur. Il fait des vidéos d'animation sur du code. Donc, il a bien animé son code, quoi.
Ah, puis regardez, regardez, c'est fluide, c'est machin, ça donne envie, quoi. Tac. Waouh. C'est... Pouf. Ah, et puis là... Donc là, en fait, il crée son propre composant. Donc là, typiquement, il crée un switch. Et les switches, il les a de SRC Component. On va regarder le switch qui est là. Alors, je pense qu'il faut un peu plus de... Il y a un peu plus de trucs à faire, hein, bien sûr. Mais en fait, le code est assez modulable qui permet de faire ces composants qu'on veut. Alors, on va juste regarder un petit peu qu'est-ce qu'il explique. Et là, typiquement, donc, son switch. Donc là, en fait, le switch est utilisé de façon simple. Hein, c'est-à-dire, donc, on appelle la classe switch. Et puis on fait initial state à false. Voilà. Et donc, pour définir quels arguments un composant peut prendre, on va d'abord définir une interface. Donc, c'est les signal value dans le props. Là, typiquement, initial state qui est un signal value de booléen. Donc, nous n'utilisons pas la couleur ici parce que nous voulons être capables d'utiliser des valeurs XML et du RGB. Donc, on n'utilise pas un color, on va utiliser un possible color. Pourquoi pas. Donc, ensuite, on va créer une classe pour nos composants. Donc, il y a switch props. Donc, le composant doit étendre le node ou une de ses sous-classes. Si vous ne voulez pas aucune méthode d'un existant composant, vous étendez un node. Donc voilà, donc par exemple, si vous voulez créer un composant qui inclut un layout, vous devez étendre layout et layout props. Donc là, on étend switch props et switch et node. Donc pour utiliser les propriétés de l'interface, votre classe doit contenir une propriété avec le même nom. Motion Canva fournit des types des correcteurs pour faciliter cela comme initial and signal. Donc initial false, donc c'est optionnel, ça permet de donner une valeur par défaut au machin et signal c'est requis et c'est pour dire là ça peut être un signal. Donc là pareil pour possible color, on a donné une couleur par défaut. Donc, regardez que les couleurs sont mises en couleur signal. Donc là, bon, c'est un truc particulier aux couleurs, ça va pas nous intéresser. Et donc, les propriétés normales peuvent être utilisées constructeur, donc avec un super comme ça. Et donc, en fait, là, hop, c'est ça en fait. Donc là, on fait un 10.add. Un rectangle, un cercle, enfin, on met ce qu'on veut, et on peut utiliser nos propres classes. Donc là, typiquement, il y a le toggle, et on va lui dire, tu vas m'interpoler de telle durée, donc la durée qui est donnée en entrée, et les valeurs, tu vas les changer comme ça. Et voire même, on peut s'amuser avec, là, on lui donne une propriété interne isOn, ce qui permet que quand on fait un toggle, ça va dans les deux sens. Le source code. Voilà donc ce qu'on voit, donc le initial state et le accent. Et donc là, il y a un simple signal donc, et l'accent, oui. On crée le booléen is on, l'indicateur position, le off color, l'indicateur et le container. On lui donne toutes les valeurs par défaut. Donc on crée notamment notre rectangle et notre cercle. Qui vont bien et puis on fait la méthode toggle qui donc de la durée va prendre l'ancienne donc définit l'ancienne et la nouvelle valeur et va changer la couleur et en même temps va faire un easier in out cubic en fait histoire d'avoir ce smoothie ce smoothie déplacement avec cette méthode-là. Voilà. Et donc là, on a créé un composant switch. En fait, on peut créer ce qu'on veut comme composant et puis
Puis en fait, après, bah, dès qu'on a des animations à droite à gauche, c'est juste changer des composants. C'est tout. Et non, mais en vrai, Motion Canva, très bonne découverte. Écoutez, on va s'arrêter là, il est 19h passé même. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à follow la chaîne pour être notifié des prochains lives. Vous pouvez également follow la chaîne des replays. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne fin de semaine, bon courage pour lundi, et je vous dis à la prochaine. Ciao. First time I met you, I wanted to stay with you. I want to be your lover's baby. I want to be yours. I want to be part of your dream.